Bonjour, je m'appelle Karine Neuger, je suis psychologue clinicienne et du sport, ingénieure de prévention sanitaire et sociale, directrice de l'Institut de ressources en psychologie du sport, IREPS Sport. Avant toute chose, je tenais à remercier le CRIAVS et particulièrement Mathieu, le docteur Lacombe, de m'avoir fait confiance et de m'accorder ce temps de parole. Pourquoi je suis là? Parce que depuis que j'ai monté l'association en 2004, je suis sur la question de la prévention et dès 2007, quand il y a eu le premier plan de prévention et de lutte contre les maltraitances et les abus sexuels en milieu sportif, on était présents avec le CRIAVS, avec l'IREPS et avec la direction régionale chargée des sports sur la journée pilote organisée au CREPS. Depuis 2007, d'ailleurs, j'interviens chaque année pour former des acteurs sportifs, animer des actions de prévention auprès des sportifs en filière d'accès au niveau. Et de fait, je vais essayer à travers mon intervention de ce matin de vous rendre compte de mes observations, mes expériences, mes leçons peut-être. Tout ça évidemment en lien avec la littérature scientifique et surtout en lien avec le terrain. Pour rentrer dans le vif du sujet, quand j'ai préparé cet enregistrement, la première chose que j'ai faite, c'est lire le titre qu'on avait choisi ensemble pour mon intervention, qu'on avait choisi en 2019. Bon, on sait qu'avec le confinement, on se retrouve en 2021 et donc surprise de découvrir le titre. Et même une lecture que j'ai eu biaisée de ce titre-là. Donc, le titre indiqué sur le programme, je vous le lis, la relation entre le sportif et l'entraîneur, entre identification et séduction réciproque, une zone grise d'interaction, point d'interrogation. Quand j'ai relu ce titre, je vous avoue que je l'avais oublié, et je ne sais pas pourquoi, ou plutôt si, je sais maintenant pourquoi, j'ai lu le mot « emprise », ce qui n'y est pas, et de suite, j'en ai déduit un certain nombre d'éléments, parler de la question des abus sexuels, des prédateurs en milieu sportif, revenir sur ces données chiffrées qu'on a, même si elles sont à remettre en question, parce qu'on sait très bien que les chiffres sont loin d'être aussi... réelle que la réalité de terrain, mais on sait déjà que voilà, la majorité des problématiques d'abus sexuels en milieu sportif sont reliées à des entraîneurs, hommes, majeurs, et des jeunes filles sportives, mineures. Ça, c'est la grande majorité, mais c'est loin d'être la seule. Il y a des femmes qui ont pu faire subir des violences sexuelles, il y a des hommes qui ont pu subir ces violences. Ça ne se résume pas cette situation assez catégorique. Et quand j'ai préparé donc, cet enregistrement, je me suis dit, mais comment sortir de cette approche catégorique, donc de l'entraîneur homme majeur et de la sportive femme mineure? J'ai voulu intégrer de la subtilité. Donc j'ai beaucoup réfléchi et j'ai relu le titre. Et à ma grande surprise, il n'y avait pas le mot « emprise ». Donc heureuse de reprendre ce titre-là. Pourquoi j'avais bloqué sur le mot emprise? Parce que clairement c'est les politiques, les discours publics, médiatiques, les orientations, c'est les discours. Aujourd'hui, voilà, on parle de violences sexuelles en milieu sportif, en parlant de prédateurs, d'abus sexuels sur mineurs. Et c'est, comme je disais, qu'un pan de la réalité. Moi, en tant que psychologue, effectivement, j'apprécie d'interroger, de révéler la complexité humaine, la complexité de la relation, et le terrain et la rencontre avec les humains, les acteurs sportifs, qu'ils soient entraîneurs, qu'ils soient sportifs, qu'ils soient femmes, qu'ils soient hommes, qu'ils soient majeurs, qu'ils soient mineurs, est bien plus complexe que ces chiffres catégoriques. Qu'est-ce que c'est que la relation entraîneur-entraîné, puisque c'est le début du titre? J'ai cherché une définition qui est assez globale, que je vous partage. La définition voilà, qui est commune, ce serait que la relation entraîneur-entraîné est une situation où les connaissances, les sentiments et les comportements d'un entraîneur et d'un sportif
ont un lien réciproque de cause à effet. J'aime beaucoup cette définition-là parce qu'elle parle vraiment de l'interaction, de l'interrelation, de l'interinfluence et du fait que chaque acteur finalement va jouer un rôle dans cette relation, que chaque acteur va influencer l'autre et être influencé par l'autre, et que même les deux acteurs non seulement vont s'influencer mutuellement, mais vont influencer la nature même de la relation et de ses conséquences et de ce qui va être vécu et partagé dans le cadre de cette relation-là. La relation entraîneur-entraîné, comme toutes les relations, elle est marquée par ce qu'on appelle en psychologie le transfert et le contre-transfert. Je vais vous éviter le discours scientifique ou psychanalytique sur ces notions-là, mais il est quand même important de savoir que dans toute relation entre deux personnes, il y a des choses qui vont se jouer malgré nous, inconsciemment, qui vont nous échapper et qui vont pourtant particulièrement impacter cette relation et ce qui va être vécu par les deux acteurs. Qu'est-ce que c'est que le contre-transfert et le transfert et le contre-transfert? C'est tout simplement spontanéité qu'on a à un moment donné de s'adresser à l'autre en le mettant à la place de quelqu'un qu'on connaît déjà. Voilà, il y a quelque chose de notre histoire qui vient dans la relation, même dans la relation avec quelqu'un qu'on vient de rencontrer sur le moment, il y a déjà une histoire. L'histoire, c'est que la personne qui va être en face de moi va me rappeler consciemment ou inconsciemment quelqu'un, peut-être son apparence physique, son regard, sa manière d'être, de sourire, peut-être même son odeur, son parfum. Il y a quelque chose qui va venir me rappeler une histoire, une autre relation antérieure. Et du coup, ça va un peu déterminer ma manière de rentrer en relation avec la personne qui est en face de moi. Et la personne en face de moi, elle ne va pas forcément avoir conscience de ça, mais elle va le ressentir. Elle va être imprégnée de ce qui est transmis par l'autre et va renvoyer quelque chose. Un petit peu un effet action-réaction. Pour vous donner un exemple, il est possible que quelqu'un entre en relation avec moi et commence par un espèce de jeu de séduction qui du coup m'amène à me sentir flattée et pourquoi pas à répondre plutôt favorablement à ces flatteries. Et c'est peut-être quelque chose de conscient, la personne, je plais à la personne, elle me plaît et il y a un jeu de séduction réciproque qui se met en place, mais ça peut être autre chose. Peut-être que la personne en face de moi me dit: je te mets à la place de quelqu'un qui pourrait m'apporter de la reconnaissance, de l'attention et de l'amour. Et du coup, je rentre en séduction avec toi. Non pas parce que c'est toi qui me plais, mais par rapport à ce que tu représentes pour moi. Quelqu'un qui peut me dire: je mérite d'être aimé. C'est ça le transfert et le contre-transfert. Et c'est très compliqué, en fait, dans toutes les relations, de savoir est-ce que ce que l'autre m'adresse et ce que moi je ressens, est-ce que ça vient de l'autre, est-ce que ça vient de moi, est-ce que ça vient de notre relation, ou est-ce que c'est quelque chose de l'histoire de l'autre, ou quelque chose de mon histoire qui vient là se jouer dans cette relation. Donc la relation entraîneur-entraîné, elle n'est pas exempte de ce phénomène-là. L'entraîneur va transférer sur son sportif, qui va du coup avoir un contre-transfert. Et ça se fait aussi dans l'autre sens, le sportif va transférer sur l'entraîneur qui lui-même va contre-transférer sur le sportif. Il y a une espèce de jeu comme ça, d'inter-influence, d'interaction qui va se faire de manière consciente parfois et très souvent inconsciente. Donc ça c'est le premier point sur la relation entraîneur. Deuxième point sur la relation entraîneur, c'est que dans la relation entraîneur-entraîné, il y a une relation pédagogique. Dans une relation pédagogique, toute relation pédagogique, enseignant, élève, entraîneur, entraîné, on va avoir des personnes qui vont avoir des rôles, des missions, des fonctions, des compétences différentes. Et du coup, il va y avoir un positionnement symétrique ou asymétrique, égalitaire, inégalitaire. On va parfois observer des relations hiérarchiques, où il va y avoir un dominant ou un supposé tout savoir et un dominé, celui qui doit apprendre. Ou des situations à l'inverse où on va avoir une relation plutôt égalitaire,
J'ai des compétences en tant qu'enseignant et mon élève a aussi des compétences. Et c'est cette mutualisation qui va créer la réussite pédagogique. Dans la relation entraîneur-entraîné, on a clairement ça. On a un pédagogue et un élève. On a une personne qui a compétence, savoir et savoir-faire pour favoriser l'apprentissage. Et on a un élève, le sportif, qui doit s'impliquer dans l'acte pédagogique pour effectivement progresser. On peut effectivement avoir des relations, parfois donc de type hiérarchique qui se mettent en place, parfois de type coopératif, plutôt égalitaire, entre l'entraîneur et le sportif. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans toute relation pédagogique, pour que ça matche, il faut passer par de l'affectif, il faut s'impliquer, il faut s'engager, il faut s'impliquer affectivement et relationnellement. Il faut que l'entraîneur démontre de l'intérêt à son sportif, il faut que le sportif démontre de la reconnaissance à son entraîneur. C'est le principe de l'entraîneur qui va dire à son sportif « Je sais que tu es en capacité de le faire et je vais t'aider à y arriver. » C'est le principe du sportif qui va dire « Je vais écouter tes directives, toi l'entraîneur, parce que j'ai confiance en tes compétences et tu as prouvé que tu étais capable de me faire progresser. » On va avoir quelque chose de très affectif, de très engagé, qui va aller au-delà du savoir et du savoir-faire technique et du champ purement sportif. On va avoir du coup du relationnel, de l'affectif, du sentimental. Troisième chose dans la relation entraîneur-entraîné, donc on a l'idée de relation, on a l'idée de l'affectif, et on a aussi quelque chose qui a été largement prouvé, c'est que le bien-être de l'entraîneur et du sportif, la réussite de la diade entraîneur-sportif, dépend fondamentalement de la qualité de la relation entraîneur-entraîné. C'est-à-dire que la relation est aussi déterminante du bien-être et de la performance que l'entraînement, que la préparation physique, que l'alimentation adaptée, que la préparation mentale. La relation est un facteur de bien-être et de performance. Et de fait, il y a un investissement et une valorisation de la relation entraîneur-entraîné qui est extrêmement forte en milieu sportif, peut-être plus que dans d'autres domaines. De fait, on va avoir des problématiques relationnelles qui peuvent être majorées. Majorées parce que du coup, on va avoir une proximité physique. Proximité physique parce que l'entraîneur peut être amené à faire un guidage physique sur le corps de l'entraîneur, de l'entraîné, pardon. Parce que l'entraîné va exposer son corps au regard de l'entraîneur. Parce qu'il va y avoir une proximité relationnelle qui va s'observer dans le cadre de l'entraînement, où on va s'accorder de l'intérêt, on va se demander comment ça va, se dire je suis là, je suis à ton écoute, tu peux compter sur moi, je serai là dans la victoire comme dans la défaite, je t'ai senti à côté de moi dans la victoire comme dans la défaite. On peut avoir une proximité aussi, physique aussi dans les déplacements, dans les stages, avec les vestiaires, avec les douches, avec les chambres d'hôtel, etc. On va avoir donc un engagement qui sera d'un point de vue sportif, technique, physique, mais aussi affectif et relationnel. On va avoir une interaction très forte. L'entraîneur va avoir besoin du sportif et le sportif va avoir besoin de l'entraîneur. On va se retrouver même dans un système non seulement d'inter-influence, mais d'interdépendance. Le sportif a besoin de l'entraîneur a besoin du sportif, et on parle vraiment de dépendance, non pas uniquement d'inter-influence et d'interaction, mais d'interdépendance. On est dépendant l'un de l'autre. Ce qui va du coup créer de l'admiration, de la fascination, de l'intimité. Et ça, ça ouvre les portes à la zone grise, la deuxième partie de mon titre. Une zone grise d'interaction. Ben oui, il y a une zone grise. Il va y avoir toutes les couleurs de l'humain, de la relation, de l'affectif, de la confiance, du respect. Mais il peut y avoir du coup aussi des teintes plus à risque, plus délétères, que ce soit pour l'entraîneur, pour le sportif, pour la relation, pour les deux, qui vont être qu'on va retrouver dans des relations de domination, de soumission, de réappropriation de l'autre, d'objectivation du corps, c'est-à-dire que le sportif, c'est plus un être humain, c'est un objet de performance.
de don de soi. Toi, entraîneur, tu me donnes tellement de ton temps, de ton énergie, de ta compétence, que je me sens redevable vis-à-vis de toi. Et du coup, je suis capable de te donner tout, voilà, toute ma vie, et du coup aussi tout ce que je suis, toute ma intimité et tout mon corps. Et là, du coup, ben, qu'est-ce qui se passe? On va avoir voilà, des relations d'emprise, domination, soumission, aliénation, où à un moment donné, l'entraîneur va se réapproprier le corps du sportif, le sportif va perdre son identité, et il va y avoir, du coup, ben, la possibilité qui se passe des passages à l'acte en termes d'abus sexuels parce qu'il y a une perversion à la base, parce qu'il y a une névrose particulière qui est exacerbée, qui peut s'exprimer parce qu'on a tout ce contexte qui favorise en fait cette expression-là. Et à côté de ça, voilà, il y a le côté emprise, perversion, et là on rentre dans le côté catégorie dont je parlais tout à l'heure, et ça existe, voilà, c'est plus de 90% des abus sexuels à aujourd'hui et des faits qui sont connus et qui amènent à des procédures administratives, judiciaires, pénales, voilà, il y a ça, il y a clairement la relation d'emprise sur de majeur, sur mineur, voilà, avec des circonstances aggravantes. Mais à côté de ça, il y a toute une version de glissage, je ne sais pas si c'est d'ailleurs très précis, comme ça, si c'est même français, mais où on va glisser, non pas parce que j'ai l'intention ou une pathologie qui m'amène à passer à l'acte et à faire subir un abus sexuel, mais parce qu'à un moment donné, dans la relation entraîneur-entraîné dont je viens de parler, je perds mes repères et je suis dans la confusion. Je me méprends sur les sentiments de l'autre et sur mes propres sentiments. Je me méprends sur les signaux que j'observe, que l'autre me renvoie. Je crois les comprendre, mais en fait, je suis dans l'incompréhension, dans la réappropriation, dans l'interprétation. Et là, il se passe des choses. Il se passe des choses qui, pour moi, doivent être au cœur de nos préoccupations. Parce que, à mon sens, c'est... je ne veux pas dire de chiffres, mais je suis sûre que c'est la majorité des situations de violence sexuelle sont de l'ordre du glissage. Excusez-moi de cette métaphore, mais je crois qu'elle est, enfin de cette comparaison, mais je crois qu'elle est importante. Dans le dopage, on parle de dopage intentionnel. Le sportif qui sait qu'il se dope, il a décidé de se doper envers un contre-tout, c'est un choix. Et il fonce dedans. Et il y a le dopage qu'on dit involontaire. La personne est effectivement, objectivement, dopée. Elle a consommé un produit interdit. Mais elle n'avait pas l'intention de le faire. Peut-être qu'elle a pris un médicament pour se soigner. Peut-être qu'elle a pris un complément alimentaire sans savoir qu'il était contaminé. Peut-être qu'elle a pris un produit dopant sans savoir qu'il était interdit. Parce que oui, il voulait améliorer les performances, mais il ne savait pas que c'était interdit. Ou il a pris un produit dopant qui était interdit, mais il pensait qu'il n'était pas concerné. Il est amateur dans une discipline qui est peu médiatisée, il est mineur, voilà, il ne se sent pas concerné, il croit que ça ne le concerne pas. Ou au contraire, voilà, il est mésinformé, il manque de vigilance, etc. Et ça, c'est le maximum du dopage. Et je dirais que dans les violences sexuelles, c'est un peu terrible ce que je vais dire, et je m'excuse auprès des victimes parce que voilà, ça n'enlève en rien la souffrance et le fait qu'il y a eu violence. Mais je crois qu'il y a des moments où on va avoir des abus sexuels intentionnels. Et là, à mon avis, on est dans la violence sexuelle la plus grave, la plus interdite, la plus sanctionnée, où la responsabilité de l'auteur doit véritablement être mise en lumière et mobilisée. Et puis on va avoir tout un ensemble de violences sexuelles, entre guillemets, involontaires. L'auteur de violence ne voulait pas forcément violer sa sportive. C'est juste qu'à un moment donné, sa sportive, adolescente, rentre avec lui dans un jeu de séduction, de confidence, de partage. Ils se vont dehors des entraînements, ils partagent des soirées, ils font des stages ensemble. Et il y a un moment donné, voilà, une espèce de confusion. Et j'entends que cette... jeune fille, elle essaye de me séduire, et moi je la trouve plutôt mignonne, et puis en plus elle est plus jeune que moi, ça c'est flatteur. Et là d'un coup je me dis, mais
oui, j'ai envie de créer quelque chose dans cette relation. J'ai envie d'elle. J'ai envie de rapports sexuels, de relations intimes, d'échanges affectifs. Et je peux ne pas comprendre à un moment donné le non. Parce que cette adolescente, bah, elle m'a séduit pendant des mois peut-être, et de manière peut-être extrêmement explicite. Et moi, je ne comprends pas le non. Et du coup, je me dis, oh, ça doit être un non pour jouer encore. Et non, c'est un non. Sans consentement, c'est une personne qui a peut-être voulu me séduire, mais pour autant elle n'a pas voulu avoir un acte sexuel avec moi, et même si elle l'avait voulu à un moment donné qu'elle change d'avis, elle a le droit. Et malheureusement, je crois qu'il y a des entraîneurs qui voilà, perdent leur repère, sont dans la confusion, pensent que l'autre est d'accord, pensent que l'autre a des sentiments affectifs, amoureux, une attirance sexuelle, et il se passe des choses. Et c'est ça, ce glissage qui m'inquiète. Parce que je crois que beaucoup glissent. S'il y a des violences sexuelles en milieu sportif, il y en a dans d'autres situations, qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans le milieu sportif, qui est le bizutage, par exemple. On va avoir des cas de violences sexuelles graves, parce que sur mineurs, parce que en groupe, parce que avec emprise ou menace, pour autant les personnes individuellement n'auraient jamais violé l'autre. Sauf que pris dans le groupe, pris dans la culture du bizutage, pris dans des comportements banalisés, ben, paf, je rentre dans la violence sexuelle. Et un jour quelqu'un vient me dire, mais tu te rends compte, t'as pénétré quelqu'un sans son consentement. Et c'est hyper violent pour ces personnes-là. Donc pour conclure, parce que je pourrais parler beaucoup et j'ai pas tant de temps que ça, je voudrais dire que les violences sexuelles, c'est clairement une question de santé publique, c'est clairement une réalité. Les chiffres sont loin d'être représentatifs par rapport à ce qu'on peut rencontrer sur le terrain. On sait particulièrement sur ces problématiques de violences sexuelles qu'il est difficile de parler, que beaucoup de personnes ne parlent pas, que la plupart du temps, quand elles parlent, c'est souvent très très longtemps après. Effectivement, il y a un vrai travail de libération de la parole à faire, et je crois que ce mouvement a été entamé dans les années 90 avec les premiers témoignages de sportifs qui ont subi ces violences-là, a été relancé en 2007 avec le premier plan national de lutte contre les abus sexuels en milieu sportif, et relancé en 2019-2020 avec la ministre actuelle et la convention nationale actuelle. C'est pas un problème qui date d'hier, c'est pas un problème qui va arrêter d'exister. Par contre, on peut permettre effectivement de libérer la parole, ça c'est une certitude. Je crois que d'autres intervenants aujourd'hui vont parler de cette question-là, de faire des actions d'information, de sensibilisation, de prévention pour permettre de libérer la parole. Libérer la parole des victimes, évidemment, mais aussi libérer la parole des témoins et des confidents qui n'ont pas su forcément à un moment donné qu'ils pouvaient parler ou qu'ils ne se sont pas autorisés à parler ou qui ont eu aussi peur de parler que la victime elle-même. Mais à côté de ça, il faut peut-être réfléchir à deux éléments extrêmement importants. Je pense à un intervenant qui sera à la table ronde, entraîneur, qui m'a dit « Oui, c'est très bien de faire de la prévention et libérer la parole, c'est même incontournable, indispensable, nécessaire. Mais il y a des choses simples, concrètes, pratiques qui peuvent être faites en termes de réduction des risques, en termes de « je pose de manière explicite des règles de bonne conduite, je les applique et je les fais appliquer ». Par exemple, je n'autorise pas les déplacements entre les chambres de sportifs, de professionnels de santé, de cadres techniques. Voilà. Les gens ne déambulent pas dans les chambres des uns et des autres. Si à un moment donné, on se retrouve dans un lieu clos, fermé, où il n'y a pas de passage, on évite le plus possible d'être à deux, on essaye d'être au moins à trois ou à quatre. Quand on est témoin d'une situation qui nous pose question, on n'attend pas d'avoir des preuves pour agir ou pour parler. On s'écoute et on va parler à l'autre. On va demander des conseils, on va se faire soutenir, on va demander une orientation, on va demander des éclairages. Voilà, des choses très claires.
voilà, je ne rentre pas dans les douches, je ne rentre pas dans les vestiaires, je demande si je rentre dans les douches et dans les vestiaires aux personnes de cacher leur nudité. Voilà, des choses, des réductions de risque de base. Et je crois que faudrait qu'on travaille plus sur identifier tous ces petits principes qui seraient très facilement applicables, et qu'on pourrait partager tous, à la fois partager parce qu'on les connaît, parce qu'on les respecte et parce qu'on les fait respecter, et que tout le monde les connaît et que tout le monde les respecte et que tout le monde fait respecter tout le monde ces principes-là en termes de réduction des risques. Troisième chose que j'aimerais rajouter, et moi je suis, voilà, c'est mon approche humaniste, l'entraîneur a besoin d'être aidé face à cette relation entraîneur-entraîné. L'entraîneur a besoin d'être soutenu pour être vigilant par rapport à cette zone grise et les situations à risque. Et il a besoin qu'on l'aide à développer des connaissances et des compétences pour se prémunir de ces risques de glissage et pour prémunir aussi les autres. Il a également besoin de travailler ses savoir-être, sa lucidité, sa capacité de prendre de la hauteur et du recul, sa capacité de maintenir la juste distance, et, parce que c'est important de le dire, sa capacité à être à l'écoute et à être un soutien, parce que certes, l'entraîneur peut être l'auteur de violences sexuelles, mais l'entraîneur peut être aussi le seul confident auquel le sportif va parler d'une violence sexuelle qui aura été subie par une autre personne. L'entraîneur peut être aussi l'acteur relais de prévention des violences sexuelles, il ne faut quand même pas oublier ça aussi. Il est aussi garant de la sécurité et beaucoup sont extrêmement respectueux de l'intégrité physique et psychologique de leurs sportifs. Beaucoup souhaiteraient développer leurs compétences en termes d'écoute, d'accompagnement, de pédagogie, de savoir-être, et il faut leur donner ces moyens-là. Et beaucoup sont parfois le seul adulte auquel un adolescent va parler parce qu'il y aura rupture familiale, parce qu'il y aura crise avec conflit avec le scolaire. Et des fois, c'est l'éducateur sportif qui est le seul référent, le seul confident. Et il faut aussi lui donner ce droit à l'entraîneur d'être reconnu comme un acteur de santé aussi pour son sportif. Merci de m'avoir écouté, j'espère avoir été claire. A priori, je serai aussi sur la table ronde en live, donc si mon intervention a suscité des questions, des commentaires et des remarques, ben j'espère, et ce sera avec grand plaisir, qu'on pourra interagir cet après-midi tous ensemble.